Oui, ça record, très bien. Salut à tous, c'est Félix, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, incroyable, je ne suis pas encore de retour. Bon, alors, Rainbow Six Siege, est-ce que vous connaissez? Oui, je suppose que vous connaissez quand même Rainbow Six Siege, c'est quand même un gros jeu et tout. Non, vous connaissez pas, hein? Pour certains au fond de la salle là-bas, je vous vois, attention. Eh bien Rainbow Six Siege, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, en gros, hein, si on grossit un peu le jeu, ce sont deux attaques, non, pas du tout. Deux équipes qui s'attaquent, une qui doit défendre un point, avec soit un otage, soit une bombe à défendre, et une autre équipe qui doit attaquer. Qu'est-ce que je viens de dire en fait là? Oui, donc deux équipes, une qui se défend et une qui attaque, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est du CSGO, hein, tout simplement, beaucoup plus réaliste, vous le verrez bien. Voilà, j'espère que la vidéo vous plaira en tout cas, donc on est parti, hein, let's go! Mesdames et messieurs, nous y voici dans Rainbow Six Siege, incroyable. On va lancer une game en multijoueur, tranquillou, quand le jeu aura chargé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu existe depuis très longtemps. Il existe depuis à peu près 2 ans, si je dis pas de bêtises. J'ai pas les sources là actuellement, mais je dis ça à peu près de tête. Et vraiment, ce jeu est formidable, hein, vraiment. Si vous avez l'occasion de vous l'acheter, achetez-le, parce qu'il est vraiment formidable. Je suis pas sponsorisé, bien évidemment, pour ceux qui sont un petit peu... qui se posent la question. Je ne suis absolument pas sponsorisé par ce jeu. Donc, voilà. Ok, nous y voilà. Première manche. Et nous sommes en poste de défense. Alors vous avez plusieurs classes bien sûr, vous pouvez choisir entre différentes classes disponibles. Moi je vais prendre Castle avec une bonne UMP45, hein, qui est quand même assez polyvalente, c'est quand même très cool. Alors mesdames et messieurs, on est parti, première manche en défense. On est là du coup pour établir, barricader la salle, etc. Voilà, donc là on doit défendre ce truc là mesdames et messieurs. Et nous du coup on va s'occuper de barricader les murs qui sont vulnérables, puisque tout est absolument destructible. Hop, voilà. On a tout posé, on va barricader la porte encore plus. Voilà, et là c'est le moment où on campe. Les potes, c'est là où on va se mettre à camper, on va essayer de défendre le plus possible. Voilà. Ah, ça lance des flashs chez les ennemis. Il y a un mec là. Vous le voyez, vous les avez vus, vous les avez vus. Ah, on peut pas tirer à travers, très bien, ok, je ne savais pas. En tout cas, ils sont pas loin. Ils ont pété ma porte. Regardez, il y a un mec en bouclier là. On va essayer de le ken, on va essayer de le ken. Il attend ses potes là. Il tempo, je suis sûr il tempo. Il y a un mec là derrière la porte, regardez. On va tirer dans ses pieds, regardez. Ouais, je lui ai fait peur. Il y a un mec qui fait le fou avec son bouclier là. Il y en a deux là derrière la porte. Oh, merde, fuck. Dernier agent allié. Oh putain, j'avais pas vu à droite. Voilà, donc le mec a rush complètement. Il a tout niqué. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Il était plus fort que nous, bon, certes, pas grave. Localiser le conteneur radioactif. Phase d'attaque. Mesdames et messieurs, phase d'attaque, deuxième partie de gameplay. On est là avec le mini drone. Un élément de gameplay très intéressant qui bien sûr permet d'aller chercher où sont les bombes. Donc on a une quinzaine de secondes. Donc on a notre ami Dracoon qui a trouvé l'objectif de la bombe. Et du coup nous, il me semble qu'il y en a deux. Je ne sais pas. Là il y a des mecs, là. On peut les repérer, vous voyez. Par contre on va se faire canard, voilà, on s'est fait tuer, tant pis, c'est pas grave. C'est qu'un petit drone de perdu. Donc là les potes qui sont encore en vie, ils cherchent encore les petites bombes. Mais il me semble qu'il n'y a qu'une seule bombe en fait. J'ai tellement peu joué au jeu qu'au final je peux vous dire beaucoup de bêtises. En tout cas moi je suis un vrai casu. De toute façon peu importe le jeu, je suis un peu un casu. Oula, regardez, ce mur est percé. Ce qui veut dire qu'on va lancer le lance-patate. Ça n'a rien fait. On réessaye. Ok, très bien. Je pense que là on va se faire canard. En vrai si on passe là, on est fini. Là, il y a sûrement un mec là. Eh hey, frère, viens. Putain, y'a personne. Oh, ça c'est étrange. Par contre j'entends, il est derrière le mur là. Faut voir si le poteau sous stomate qui est là. Asie NTS, montre-nous ta puissance de frappe. NTS, joueur français. Oh, il se fait canarder. Il s'est fait tuer. De où? On ne sait point. Mais le mec a dû m'entendre en tout cas. 3BS2. Ah putain! Ah, il m'a enculé! Bon, on est quand même pas là pour faire n'importe quoi. Hein?
Ah, on est quand même là pour vous donner envie. On est là pour vous faire saliver, hein. On est là pour vous donner envie de jouer à un jeu vidéo qui est formidable. Oh, reviens là toi, dis donc, salopère. Salopère. Ah, il a été tué, je crois. Très bien. Attends, non, il n'a pas été tué. Si, il a été tué, très bien. Alors, on va barricader ce bazar. Pouf, paf, talac. Voilà. Eh, monsieur, je suis là encore, man. Attends, t'inquiète, t'inquiète. Je barricade. Pof, pof. Bougez pas. Ah non, faut maintenir quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que ça, là? Donc ça encore un stratagème de l'adversaire pour me déstabiliser. Oh là, ça arrive à droite. Oh, la grenade. Ah, oh, ok, d'accord. Non mais carrément, carrément, ça sert des... Ça se sert des petits trous pour faire des choses. C'est pas fou, hein. Ah, nous avons donc Capcan. Capcan qui est là, qui prend les lignes. Oh là, il a vu un adversaire, il est en train de tirer. Oh là là, il est mort. Il est mort, il est beaucoup trop mort. Bon bah c'est la dernière manche. On va essayer de gagner cette fois-ci parce que c'est quand même un petit peu compliqué, hein. Très bien, on est parti. AK-47, en or bien sûr, évidemment. Voilà, nous avons Lil Flash qui décide de jouer safe. On va faire comme lui, tiens. Ah, nous avons... Ah là, on a un rush. Ah bah oui, bah tu rush, mon pote. Tu fais trop de bruit, finalement, on te punit. C'est logique. Il est con, lui. Et moi, le problème, c'est que... Oh là. Oui, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. Arrête, arrête. Arrête. Pousse. C'est le tryhard, les potes, hein. Oh là, au secours, hein, on me tire dessus, non? Oh. Pas du tout. Mais qu'est-ce que je raconte? Mais ils sont où, les potes, là? Ils sont où, les mecs, là? Vous avez été repérés. Quoi? Et où ça? Ah là. Voilà. Alors, on va mettre un petit drone. Regardez, on peut en déployer. On peut déployer un petit drone quand on veut. Paf. Et essayer d'explorer les zones qui sont un peu dangereuses. Là on n'a pas d'informations. Donc là vous pouvez voir qu'on peut avancer. Donc, je vais me permettre de... Attendez. Ouais, je vais me permettre d'avancer. C'est... Ouais, c'est ça. Ennemi détecté à l'extérieur, comment ça? Comment ça? Ok, bon, c'était le mec de la fenêtre, pas grave. On va percer le mur, les amis. C'est quoi la touche? Ah, mais non! C'est pas possible! Oh non, mais je suis... Je sais pas, bon, on fera mieux la prochaine game, hein, bien sûr, hein. Ah, il m'a entendu. Oh, c'était là-haut. Ah, ils m'ont canardé, hein. Là, c'était vraiment... Vous avez aucune chance, quoi. Mesdames et messieurs, on est parti pour une deuxième game. Et cette fois-ci, on n'est pas là pour jouer en mode casu. On est là pour gagner, hein, parce que clairement, parce que la game d'avant était pas folle, hein, n'est-ce pas? Elle était pas très très folle. Trouver l'emplacement. Ok, on est parti. Petit drone, on connaît la musique et cette map-là, je la connais à peu près. Je l'ai joué 2-3 fois en stream et elle est assez facile à apprendre. Voilà, il passe à la fenêtre, vous l'avez vu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, exactement. Hein. Vas-y, tire-moi dessus. Au secours, je m'en vais. Au secours, au secours. Ah, bonjour, monsieur. Au secours, au secours. Bon, c'était un sacré... sacré connerie, ce round. Alors, attention au spawn kill. Hein, règle très importante à savoir. Quand vous sortez de votre spawn, il y a toujours des petits malins pour se planter aux fenêtres, là. Pour se pointer aux fenêtres. Et ouais, donc faut faire attention à ça. Le petit rappel qui passe. Vous voyez, on peut vraiment tout faire. Ce jeu est vraiment libre. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Donc là, en vrai, je suis bien tenté de descendre en rappel. Mais je vais attendre que mes potes arrivent sur le point avant. Oh, c'est quoi? On tente. On tente. On est là pour le spectacle. Il y a un mec là, apparemment. Est-ce qu'on peut en surprise 1 là? On est descendu, tout va bien. Il y a un ennemi juste là. Oh, je me suis fait tirer dessus. Ah, putain! Putain, non! Il va me cut. Dites-moi où ils sont. Ok, bon.
Ok, tranquille, très bien. Oh, il l'a vu. Il l'a vu, mais c'est fait ken. Il rush. 3 vs 1, et c'est gagné. Spaghettino qui décide de rush. Putain, mais les mecs ils font ça, et moi ça passe jamais ça. Putain, le mec dans le chat, what the fuck? What the fuck, putain? Sécuriser la salle. Phase défensive, on la connaît bien cette phase. On pousse les barricades, voilà, tranquille, tranquille. Est-ce qu'on peut... Non, on peut pas renforcer ça, c'est beaucoup trop haut ça. On va aller... Oh, salut toi. Voilà, nice. Est-ce qu'on peut renforcer ça? Bien sûr qu'on peut renforcer, paf. Ok, nice. On va renforcer ici aussi. Paf. C'est des bons renforcements que je fais là en vrai. Je dirais pas, mais oh, okay, faut renforcer ça. Je suis un peu en dehors de tout le monde par contre là. Oula, what the fuck. Ok, petit bug d'affichage. Petit bug d'affichage. Alors là je sais pas où je suis. Je suis dans les chiottes. Il y a un drone là, on l'a vu, il a passé. On va attendre, on va attendre patiemment les ennemis. Plus de drone. Mon premier kill! Incroyable! Incredible, les amis, incredible! C'est formidable! Oulala, oulala, oulala! Ça va plus ça! Ah, ça explose partout là! Franchement, je pense pas que c'est souhaiterait. Bon, j'arrête. Oh putain! Vite! Vite, courez! Oh lolo! Prime le rush! Oh là là, je me suis... Oh, j'ai 4 HP. J'ai 4 HP, putain. Incroyable ce round. Incroyable. Vous ne le croyez pas, mais il est là, le youtubeur Funis Gaming. Le dernier, le dernier. Est-ce qu'on... Ouais, c'est gagné. C'est gagné là. Allez, viens mourir toi. Meurs, 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 meurs. Bon, c'était pas mal là ce qu'on a fait là. On était content. Le petit kill de la fin. Le petit kill de la fin à travers la smoke, non? Oh oui, bah parfait ça. Victoire parfaite. Ah voilà, formidable, on est content. Eh bien mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était très chouette, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur ce jeu, tout simplement. Je pourrais inviter des potes, j'ai des potes qui jouent au jeu, ça pourrait être plus sympa. Là c'était plus une session découverte afin de vous montrer un peu le but du jeu, tout simplement. Et puis si vraiment ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve peut-être mercredi prochain, je ne sais pas, ce que je verrai, ce que je vais déménager en fin de semaine là au moment où je tourne, donc parce que je retourne chez mes parents pendant 3 mois. Donc voilà les amis, merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être toujours là pour me soutenir, ça fait extrêmement plaisir. C'était Funis Gaming, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, abonnez-vous, ciao ciao, salut.